sommes la première. Sur les dernières technologies de l'information, nous sommes la dernière. www.radiotvévolution.com. Dans la communauté des radios de ces jours-ci, les choix sont à la fois multiples et divers. Et sur la bande FM ou en sub carrier, on comprend combien votre choix peut être embarrassant. Mais dans la foulée des options et des choix possibles, les bons sont très rares. Il est vrai, trop difficile à faire. Dans ce doute, ne vous abstenez surtout pas. Soyez intelligent. Faites le choix le plus intelligent. Nous sommes ce qui relie votre réveil à votre sommeil. Ce qui allume et colore vos nuits les plus difficiles. Nous sommes la procédure qui va des dinosaures aux voitures électriques. De l'antiquité ou du lambi qui devait rassembler les esclaves jusqu'à 1804. Aux vidéophones d'aujourd'hui qui nous connectent au monde entier à la seconde. Nous sommes le pourquoi la science existe. Nous sommes carrières, nous sommes la première. Sur les dernières technologies de l'information, nous sommes la dernière. www.radiotvévolution.com. Nous sommes Radio Évolution. Votre choix Yeah.
Communauté des radios de ces jours-ci, les choix sont à la fois multiples et divers. Et sur la bande FM ou en sub carrier, on comprend combien votre choix peut être embarrassant. Mais dans la foulée des options et des choix possibles, les bons sont très rares. Il est vrai, trop difficile à faire. Dans ce doute, ne vous abstenez surtout pas. Soyez intelligent. Faites le choix le plus intelligent. Nous sommes ceux qui relient votre réveil à votre sommeil. Ce qui allume et colore vos nuits les plus difficiles. Nous sommes la procédure qui va des dinosaures aux voitures électriques. De l'Antiquité ou du Lambi qui devait rassembler les esclaves jusqu'à 1804, aux vidéophones d'aujourd'hui qui nous connectent au monde entier à la seconde. Nous sommes le pourquoi la science existe. Nous sommes carrière, nous sommes la première. Sur les dernières technologies de l'information, nous sommes la dernière. www.radiotvevolution.com. Nous sommes. Alléluia, je vous ai béni.
Ensemble Carrier, on comprend combien votre choix peut être embarrassant. Mais dans la foulée des options et des choix possibles, les bons sont très rares. Il est vrai, trop difficile à faire. Dans ce doute, ne vous abstenez surtout pas. Soyez intelligent. Faites le choix le plus intelligent. Nous sommes ceux qui relient votre réveil à votre sommeil. Ceux qui allument et colorent vos nuits les plus difficiles. Nous sommes la procédure qui va des dinosaures aux voitures électriques. De l'Antiquité ou du Lambi qui devait rassembler les esclaves jusqu'à 1804, aux vidéophones d'aujourd'hui qui nous connectent au monde entier à la seconde. Nous sommes le pourquoi la science existe. Nous sommes Carrier, nous sommes la première. Sur les dernières technologies de l'information, nous sommes la dernière. www.radiotvévolution.com. Nous sommes Radio Évolution Inter. Défenseur de la foi chrétienne, défenseur de l'évangile de Jésus-Christ, défenseur de la Bible,
inconditionnel combattant et combattante pour le triomphe du vrai évangile de Jésus-Christ. Ambassadeur, ambassadrice de la vérité de Dieu, chrétien du vrai christianisme, protestant du vrai protestantisme, anglican du vrai anglicanisme, catholique du vrai catholicisme, orthodoxe de la véritable orthodoxie chrétienne. Et son plaisir pour ensemble jeudi à pour vous apporter cette nouvelle édition de l'émission Causer l'Église. Nos salutations spéciales à tous les hommes de prière, toutes les femmes de prière, les guerriers, les guerrières de l'Évangile apostolique. Amis Bible tout partout, ce jeudi 9 juillet 2020, nous sommes ensemble pour vous apporter, je crois, la 716e édition de l'émission Causer l'Église. L'église sur le 106.5 FM stéréo, la radio télé Évolution Inter dont vous écoutez depuis Saint-Marc, Haïti. L'émission Causer l'Église, la ligne offensive et défensive de la vérité de Dieu. Cette émission se propose de défendre la ligne défensive, de défendre les vérités de Dieu, peu importe les conditions, peu importe les circonstances, contre toutes les théories des hommes, toutes les idéologies des hommes, toutes les philosophies des hommes, tous les principes des hommes, toutes les doctrines des hommes qui s'attaquent, qui s'opposent à la sainteté de Dieu. Cette émission est aussi la ligne offensive de Dieu. C'est l'émission qui prêche, qui proclame, qui enseigne. C'est l'émission qui déclare, qui annonce les vérités spirituelles, bibliques et éternelles, les vérités divines, évangéliques, apostoliques, les vérités chrétiennes, les vérités salutaires du Saint-Livre, la Bible, le livre des livres. Une émission qui ose débattre, combattre et abattre toute tradition, toute conception, toute religion, toute opinion, toute écoutée machination humaine, toute législation des hommes qui insulte la sainteté de Dieu. Une émission qui ose débattre, combattre et abattre toute hérésie théologique, toute hypocrisie ecclésiastique, toute apostasie religieuse. Une émission qui ose débattre, combattre et abattre tout ce qui se met en croix contre la souveraineté de Dieu dans l'univers, contre la seigneurie de Jésus-Christ dans l'Église, contre l'autorité du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens et des chrétiennes. Nous sommes sur le 106.5 FM stéréo, la radio télé Évolution Inter, à l'heure de la 716e édition de l'émission Causer l'Église. Yo émission kap goumen, yo émission kap bataille, yo émission kap lutte pour Bible. Bible seulement, Bible simplement, Bible uniquement, triompher, ouais pas ouais, vle pas vle, en dans l'église. C'est énié. Parler, moins qu'on parle, dans le monde, comme moi, et chaché, même j'en gagne, tu es celle qui t'aime, Seigneur, pour me guider. Mon guide, mon chemin, maman, c'est bon. Rapam nous mon ngangu ha la mando ban moins force pour rester fidèle en pesant rock
capable longe même moins et des mon gars bah dans la vie guider Seigneur pour me guider yeah. Mon mauvais chemin, comme c'est bon, car pas nourri, mon gigango, ah, la mano, Seigneur. Tout ça qui m'ont ou moins montré les autres inspiré ça moins dit et fait par guide-moi, Seigneur, à guider, mon guide-moi, mauvais chemin, bam, mangez-vous, abab nourri mon ngangu la mano bam la peu qui tellement douce boum capable ma à tousser avec tout le monde qui n'en détresse ou même qui bon moins belle parole idée Seigneur guide me mon bon mauvais chemin pam manger bon pam nourri mon ngangu la mano les moins chants ou plein Seigneur Jouka Kem Gaba de Bode pour raconter grand amour non penser et non belle parole ah guide-moi Seigneur guide bien mon bon chemin bam mangez-vous, capable nourrir mon yo qui gangou Jésus, la mano.
sait vivre avec moi. Mais moi, Seigneur, conduis-moi tout côté ouvré. J'entends moins ouais, face bénie pour partager gloire à toi. Guide-moi, Seigneur, guide-moi. Mon mauvais chemin, bon manger, capable nourrir mon yo ingangu, la mano. Nous sommes sur le 106.5 FM stéréo, la radio télé Évolution Inter, dont vous écoutez depuis Saint-Marc, Haïti, à l'heure de la 716e édition de l'émission Causer l'Église. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 9 juillet 2020. Hier, nous n'étions pas ensemble. Avant hier, nous n'étions pas non plus ensemble. La radio faisait face à des problèmes techniques indépendants de la volonté des techniciens. Donc, un pilier fort que tout staff là, depuis la direction générale radio, passé dans la direction programmation, dans la direction technique, tout staff radio a été mobilisé pendant ces deux jours pour capable résoudre problème ça yo, afin que ou même auditeur auditrice ou ka retrouver toutes les émissions phares, toutes les émissions exceptionnelles extraordinaires du 106.5 FM stéréo, la radio télé Évolution Inter. Nous sommes le jeudi 9 juillet 2020. C'est la 716e édition de votre émission, l'émission qui lutte pour la suprématie de la Bible dans l'Église. Cela va sans dire qu'aujourd'hui, nous aurons une émission très spéciale. Certainement, c'est l'Union Bras l'ouvrir. L'Union Bras l'ouvrir. Et nous, allez, jeudi, à nous saluer les amis Facebook qui souffrent en pile, les amis CEO sous 106.5 qui souffrent en pile. Mais malheureusement, mauvaise nouvelle, c'est que 42 16 00 66 n'est pas disponible jeudi. N'a fait presser là et pour monter bon et ça arrive ils ont tombé là le bal les pables lui-même. Salut François, oui moi même tout me content retrouver nos frères Whitler Charles qui criait les perdu émission Sam. Salut frère Jay Fleur Cius, frère Marc-André Désir qui a coûté une pauvre prince notamment Delma, frère Télus Magui qui tout branché émission en Wancock. Et m'salue tout le monde qui branche nous sur page Facebook Louis Chadriac. Là, un grand remerciement à technicien qui fait un pile sacrifice depuis avant-hier. Il se sacrifie du bec et des ongles la journée coule en nuit pour résoudre ensemble de problèmes techniques qui causent qu'on pas de nous avant-hier, pas de nous hier. Mais c'est jeudi à nous ensemble pour vous apporter cette nouvelle édition de l'émission Causer l'Église, la 716e édition de votre émission qui sera consacré à un espace de débat libre, un espace de micro ouvert. Vous allez avoir la possibilité de poser tout
toutes les questions dont vous voulez, depuis questions en rapport avec Bible, depuis questions en rapport avec l'évangile, depuis questions en rapport avec Jésus-Christ, la religion, la théologie, depuis questions concernées l'église, questions bienvenue dans 706e édition émission Cause l'église. Ou à taper simplement jodi à 37 25 50 25 là. 37 25 50 25 là, c'est seul numéro ça qui est disponible pour aujourd'hui, hein? 37 25 50 25 pour qu'à rentrer dans 716e édition émission Cause l'église. Moi salut frère Anderson Charles, nous connons toujours à bord, ça fait nous plaisir la côtoyer dans pays Brésil, côtoyer branché émission Cause l'église. 37 25 50 25 pour qu'à rentrer dans 706e édition émission Cause l'église sous radio télé évolution inter, la radio des radios évolution inter. Bonjour, monsieur, sur vos amis auditeurs, nous sommes 37-31, allô, bonsoir. 37-31, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, serviteur, dans le couteau. Je vous félicite pour l'émission. Merci beaucoup. Et comment vous avez aidé à comprendre ça, parce que nous avons demandé, c'est moi qui brûlais, monsieur. Et vous avez fait parler plus fort, plus clair? Oui, et je même dans son qui brûlait. Son ancien? Tout ça va pour agile, pour la l'église. Et ça, bon, comme réflexion, c'est de la façon dont on a fait le bruit. Il y a un exemple de l'église. Parce que si on fait ça, est-ce que vous avez fait ça? Ça, vous avez fait ça. De la façon dont l'église est, ça a rien. Il y a un acheté dans la main, il n'y a pas de la paix. Ok, des gens qui l'église qui ont acheté dans la main, Sylvine, l'église là qu'on y a comment parce que pas fini avec. D'accord, d'accord. Alors, et ça, ça moulin dit, c'est une vérité parfaite, c'est une vérité absolue. Ça pas veut dire pour autant que tout le monde dans l'église l'a acheté crédit ou pas payé, ça pas veut dire pour autant tout le monde dans l'église l'a prêté ou pas remettre, ça pas veut dire tout le monde dans l'église l'a doué ou pas payé dette, yo pas du tout. L'église charge à monde de bien, l'église charge à monde sérieux, parmi lesquels il y a beaucoup de leaders, mais j'ai bien dit beaucoup de leaders qui sont à la fois honnêtes et sérieux, ou qui reprochent aux doctrines à prêcher à pas ça, ou qui reprochent aux l'évangile ou quoi, c'est pas ça, ou qui reprochent aux gens à mener l'église Christ là, c'est pas ça, mais en pile leader haïtien, Saint-Marc là, gagné plusieurs que n'habitué cité non yo, c'est des hommes honnêtes, des hommes intègres, j'ai des hommes qui carrément qu'on connaissance, qui capa qu'on en vérité, qui capagon lumière, mais pas moun qui pral nan fè zéro tourner neuf, et pas moun qui pral bay menti pou vole comme moun, et pas moun qui pral nan fè magouille, c'est pas moun qui pral nan fè sak pa sa. Moun kap viv an Haïti ki pa fè expérience avec église étrangère, église en terre étrangère, ki pa fè expérience avec église dans les communautés de la diaspora, pa comprendre ça m'a dit là. Sou konnen sa le l'église dans diaspora, sa le l'église haïtienne aux États-Unis, l'église haïtienne au Canada, l'église haïtienne au France, l'église haïtienne to Saint Nicolas Island, l'église haïtienne Bahamas, l'église haïtienne Jamaïque Saint-Domingue, ou ap estime en pile dans leader chrétien haïtien gen yo, en pile dans leader évangélique nou yo, malgré tout problème nou ta ka gen avec yo, c'est des hommes sur le plan moral qui mérite d'être honoré. C'est pasteur Luchad qui pa mache de figi moun nan dit ça. En pile la leader nous en Haïti mérite honoré.
En ce sens, écoutez, ils peuvent avoir des lacunes théologiques, des lacunes spirituelles, des lacunes bibliques. Ils peuvent être même orgueilleux dans gens qui aiment l'église Christ là en bas griffe, en bas zigyo, et qui parlent l'église la contre vérité pour l'église la faire l'évangile. Ou qui approchent des questions d'ordre théologique ou doctrinal, mais moralement, plusieurs là de Boumbadien pile qui aiment tête dans la relation conjugale à une seule madame. En pile là dans au kembe tête yo nan éduquer petit yo faire de grands sacrifices pour ti moun nan ki bon lingen les ti moun nan varier les ti moun nan déjouer c'est pas responsabilité pas c'est pas manquement pas comme papa et plusieurs là dans tout sur le plan moral pas nèg k'ap fléchi genou devant l'argent c'est nèg ki fait pile effort pour ki bon certaine intégrité morale j'en dis donc maintenant. Et c'est pour dire que ni chez nos leaders, ni chez nos membres, grand pile monde sérieux en dans l'église. Cependant, malheureusement, ça a voulu dire son vérité. En pile monde en dans l'église, tout acheté, pas payé, et fait d'être pas remettre. En pile monde en dans l'église, tout, c'est monde depuis où est l'argent, tout chez au souké. C'est monde depuis où est l'argent, tout tété au souké. C'est monde depuis où est l'argent, tout grain dans au souké. Et les ça, yo tombé dans malversation, yo tombé dans corruption, yo tombé dans immoralité, dans malhonnêteté, dans déloyauté, yo tombé dans insincérité. C'est dans sens effectivement, gen des inconvertis, des païens qui fait expérience à mon l'église, n'a fait l'argent, mon cher si c'est pour mon ça, yo inconverti, yo pas jamais entré en dans l'église. L'elle dit Sylvie l'église qu'on y a la séateur pas payé là, t'aime du frème. L'église protestante, par contre pour catholique là, pas trop habituel, pas trop vivant dans. L'église protestante, bon qu'on est pour l'autre côté, mais même dit protestant ici, je le dis au sens large du terme, j'embrasse épancotiste, méthodiste, j'embrasse écoutez baptiste, nazaréen, j'embrasse wesleyen, presbytérien, pentecostal, m'embrasse toute l'église de Dieu, tombe dans adventiste mal dans mormon, moins foin moins rentré même témoin va la donne, montre à mes célestes corps de Christ, branamisme, montre toute la donne, l'église protestante frême, c'est côté moun cruel en pile, c'est côté moun méchant pile, c'est côté moun criminel en pile. Seulement gardez pour elle les professionnels protestants, les socio-professionnels. Nèg la c'est frère l'église là, le fait c'est boss maçon, l'a travail pour moun yon dans l'église là, des fois dans construction même l'a travail, des fois dans construction diacre là, prédicateur, pasteur l'a travail. Mon chèm bon garanti s'il pas tébé grâce mon Dieu. Hein, si faiblesse pas, si pas autant l'air dans dal la, chavir en bas. Et ou t'as dit dans le ciel là, li, t'as tombé en faible général, ou t'as pris l'église là, il a fait bel enterrement, il a dansé à ce qu'il y a, il a va ouais, il y a tout, il m'a connu, il m'a campé, etc. Ou t'as saisi, il y a quelques bien-aimés qui voyaient déjà, et bien-aimés, bien-aimés, tout y est, il a bras laissé, etc. L'église protestante, l'autre là fait commerce, li tout connaît, bon garanti. Il était habitué à acheter sous quartier, à payer l'argent content, il a acheté dans le marché, à payer l'argent content, il a acheté dans la maquette là, au payer l'argent content, il a acheté écouter dans bazar là au pays l'argent content, il a acheté dans petit démêlé à pays l'argent content, il a acheté ponçonné au pays l'argent content, il a acheté tout côté l'argent content, qui est venu dans business c'est maintenant, ma sœur comment il a bien aimé tout va très bien grâce à Dieu. Ah mon cher c'est pas l'évangile mon cher, je dis à la veille et ma sœur devine quoi là, on m'a mis dit besoin là petit ne pas rien. Pourtant si tu as pas tu as acheté l'argent content. C'est côté moun méchant en pile, c'est côté moun cruel, moun criminel en pile dans l'église protestante. Prédicateur a béni nan yo chaque jour l'église là. Pa gen youn k'ap mande comment vivre. Il y a de vrais pasteurs qui assument leur rôle de pastorat, leur rôle de berger impeccablement. Ou pa konn si petite pa la l'école, ou pa konn si madame ni kache ton jipon, kache ton sandal met nan pied. Ça pas intéressé, chaque on a réglé affaire yo. C'est côté moun gen ki di en pile, c'est l'église protestante. Donc effectivement là c'est maintenant du l'OS zami alors li dou s'il t'a converti il t'a train dans l'église commerce la fini net nan mel pas même moun yo moun l'église la bach nan mel yo pa me payer acheter crédit pa payer s'il vin chrétien kounya la bon son connait ki coudrat pour un choral dans l'église n'importe 40 50 moun ou bien 30 moun salié a moi j'ai pu payer servante là comme radé et pourquoi ça terrible là des fois servante là gagne commerce là des fois servante là gagne métier là des fois elle fait gâteau pour yo des fois elle fait cuisine là elle fait réception elle fait décoration des fois elle vend yo soulier 27 dollars yo tout connaît mari servante là pas occuper lui les gars vous êtes
Yon ven démon tout bon, oui. Yon kon mari lage de babalansé, oui. Yon kon di pas cet esprit, c'est pas cet esprit dans la ville, c'est dans bouzin de la école pour occuper petit lui. C'est pas du gen métier, te gen en mêle, et dans pelle, et dans pite, marcher couche à directeur, marcher couche à sans ave, pour ta rabaye petit non sa espagite. Yon kon sa très bien, oui. Et bien, li van yo souli, al van yo sandala, li van yo jubla, al van yo rad la, li kout pou yo, ou bien le fait commerce la, y achete dans mêle, vie diria, vie farina, vie pate corde ya, vie souple la, vie akasan. On va redi, oui. Monter descendre 3 voyages, 5 voyages, 12 voyages, 15 voyages. Puis on est si bal mosso dans cobla, oui. Et quand on méchant pile l'église protestante. L'église la campe, la chante, la pas dormir dans l'air, je le ferme et pour la pomper la pierre. On va essayer Gabriel là même. C'est quand on pas monde même non, l'église protestante là. Et quand on cruel là, mon choix besoin monde sérieux là ou abjoindre. Ou besoin monde de bien là ou abjoindre. Ou besoin monde honnête là ou abjoindre. Moi ben de grand sans arrêt sans arrêt tout là ou abjoindre. De grand malandre malandre là ou abjoindre. Ou ben de grand criminel. Par contre sous peu ça nous là. Mais sous peser ça nous là. Alors pour seulement l'église là. L'église a kon mari la marché fait bamboche pas si pas là. L'église a kon mari pas pour occuper petite li. Alors pour ceux à fond commerce pour l'église la ranger col pour craser. Le zan moulando effectivement s'il entre dans l'église, pas gen la vie pour li a, ou il kon sa la di a. Ou il kon sa la parler a, certainement bon, gen ta garder exemple là sous tête li nan mode là pour chrétien je cherche chrétien rizies, chrétien coquin, chrétien med dame pa honte pour venir acheter crédit dans mel en dans l'évangile Christ la puis gagne de personne rien si ce n'est que de l'amour pour nous deux moun yo et puis qu'on y a pour moun écouter bible dans mel Charles a gagne danger Charles a salé sous gatia il pas payer cependant si zan moun la gagne raison il pas gagne raison devant bon Dieu l'amour il pas gagne raison devant bon Dieu créateur il pas gagne raison devant bon Dieu pardon devant bon Dieu de toute justice là parce qu'a fait servir bon Dieu a servir faut dans l'église sérieux pour servir bon Dieu faut dans l'église qui pratique l'évangile pour faire l'évangile faut dans l'église côté monde veut sauver pour sauver faut dans l'église côté leader bon Dieu connaît yo et a vivre sous amour pour aller dans ciel cependant première raison que fait bral l'église première raison fait m'a repenti m'a converti première raison fait m'a c'est bon Dieu parce que c'est bon Dieu bon Dieu c'est bon Dieu créé moi c'est bon Dieu qui m'a la vie je dois mon existence ma vie mon être mes mouvements je dois tout ce que je suis tout ce que je possède tout ce que j'ai à Dieu au Dieu créateur c'est lui le maître créateur le maître du souffle de vie qui m'habite j'aurai à rendre compte au dernier jour de toutes ses grâces de toutes les bénédictions divines dont moi jouis m'a servi mon Dieu par reconnaissance de ça de l'âme mon bon Dieu et m'a servi le tout pour protection tête moins par moi tout dit ça pour mes sécurité au monde c'est servir bon Dieu pour mes sécurité au monde sans bazel Christ pour mes sécurité au monde c'est rester à écouter sous l'abri du très haut c'est en ballon brage l'Éternel des armées c'est pour mes sécurité gagner c'est à ce niveau que Jean Moulin écoutez il prend tort mais si c'est pour logique humaine pour sagesse humaine pour réalité humaine oui ça le doula c'est ça c'est le converti à filer avec net kounia il y a fini avec net kounia sous ta converti merci en pile zami auditeur participation dans l'émission causer l'église salutations à toi mon ami Dorville Soaniel qui branché émission frère Dunel Joseph qui branché émission frère Wilson d'Orséville toutes amis qui branché nous sous page Facebook lui Chadrac là et si ou même qui sous 106.5 FM stéréo à radio télé évolution inter 42 à malheureusement pas disponible aujourd'hui ou cabré les noms sous 37 25 50 25 37 25 50 25 pour cabre entrer dans 716e édition émission causer l'église 716e édition émission causer l'église frère et c'est la salut cap coutine depuis au Sorno dans pays Chili a fait nos plaisir 37 25 50 25 37 25 50 25 pour qu'à rentrer dans 716e édition émission causer l'église sur radio télé évolution inter le 106.5 FM stéréo la radio des radios votre radio 37 25 50 25 37 25 50 25
pour qu'on rentre dans l'émission. Cap tapé tout 34 80 21 22, 34 80 21 22 34 80 21 22. M'a cherché numéro pour nous toujours jodi a 34 80 21 22. Au cap taper tout et me garder et au cap taper tout 34 80 21 22. Comme ça tout cap taper et bon perdu ça m'a fait perdu ça m'a fait 37 25 50 25 pour qu'à entrer dans 716e édition émission Causer l'Église. Trente-deux soixante-cinq zéro sept zéro sept pour qu'entrer dans 716e édition émission Causer l'Église sur Radio Télé Évolution Inter. 32 65 07 07 32 65 07 07 32 65 07 07. Ou cap tapé 32 65 07 07 ou bien 37 25 50 25 pour entrer dans l'émission aujourd'hui. Bonsoir. 42 52, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est l'auditeur. Si c'est pour émission, on met pas les sous et numéro ça. Allô? Si c'est pour émission, on va aller sur 32 62 32 65 32 65
3265-0707, 3265-0707. Plusieurs amis ont fait nos signes que yo pas qu'à joindre radio à plusieurs côtés. Bon, qui s'est passé, baron, dit que son technique l'a gardé boué. Les amis qui étaient en joindre, qui perdu lit, qui perdu lit, 37-25-50-25. 37-25-50-25, en tous les cas, t'es mes amis. Facebook a possibilité de poser question et dans l'émission et au cap taper question yo en nous dit dans commentaire yo et puis n'a pas répondu yo les amis qui sur Facebook yo en pile là dedans yo qui branché nous sur Facebook ou bien sous branché nous sous joindre nous côtoyer à sous signal radio a fait nous connaît et puis sous question poser le sous 32 65 07 07 et puis 37 25 50 25. 32-24, allô, bonsoir. 32-24, bonsoir. Allô. Bonsoir, serviteur. 32-24, bonsoir. Des problèmes techniques qui persistent. 32-65-07-07. 32-65-07-07. 37-25-50-25. TBC, bras amis. Hein? Et allô, bonsoir. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir, serviteur. C'est Frère Jocelyn Ternem, bien branché au Lianco. Lianco, tout va très bien. Allez, merci un peu. Merci un peu, Lianco. Et terminé à 42-37. 42-37, allô, bonsoir. 42-37, bonsoir. Bon, bien du 42-37. Bon, problème qu'on pas téléphone, nous tout. Problème qu'on pas téléphone yo 37 25 50 25, 37 25 50 25, pour qu'on entre dans 716e édition émission Cause et l'Église sur Radio Télé Évolution Interne. Frère du Subagi qui que question ça sur Facebook là, pasteur s'il vous plaît, faites-moi comprendre Jean 14 verset 15. C'est Jésus qui dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le mot commandement signifie ordre, il signifie loi, il signifie principe. Quand Jésus nous parle de commandement, en nous d'accord à faire commandement, c'est lorsque par exemple Jésus dit nous font bagaille. Commandement c'est un l'ordre que lié depuis nous obéir à l'ordre Jésus-Christ, n'a disciple livré, n'a premier livré, mais si nous pas obéi, nous pas discipliné. 41-71, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, serviteur. 41 mètres par une aptendo. Bon. Il y a quelques jours, moi-même, m'a suivi à faire téléphone dans le pays d'Haïti. Comme cause l'église là, lui-même, il n'y a pas de rapport à sa trop. Oh, 32-65. 32-65 et 32-65-0707. Frère Dunel Joseph qui pose une question ça. Bon Dieu, nous mon passe, c'est qui premier sacrifice qui fait, qui t'est fait sur la terre d'après la Bible? Et bon, son question qui paraît un petit crasse n'a dit. Et alors, l'aime dit, question paraît plus ou moins. Question pas être plus ou moins d'adi en question dans un concours. Mais tu réponds quand même, c'est émission causer l'église. Ça nous dit, premier sacrifice qui fait sous terre, c'est lorsque Dieu créateur a, après le péché d'Eden, il y a des gens qui prennent sacrifice à Abel là comme un sacrifice. Non. Sacrifice à Abel là, pas premier sacrifice. Pour Dieu t'es capable, toutes nos excuses, pour Dieu t'es capable, excusez-nous, pour Dieu t'es capable de faire rad à peau bête mette sous Adam et Ève après le péché d'Éden, il n'y a pas de doute, il fallait sacrifier un animal. Il fallait sacrifier un animal, bien que le texte ne parle pas de sacrifice, le texte ne parle pas, écoutez, de symbolisme du geste divin. Maintenant, sur le plan formel, si n'a formaliste, si n'a légaliste, n'a dit premier sacrifice là, et c'est pas l'autre bagaille que lié ces sacrifices à Abel là, certainement. Là, n'a retrouvé un pile théologien qui croit sacrifice à Abel là, c'est pour les sacrifices. Mais si n'a pas formaliste, si n'a pas écouté plus ou moins libéral, n'a pas essayé d'interpréter les écritures, n'a dit premier sacrifice là, nous devons supposer, c'est Dieu qui fait
faire parce que inévitablement pour bête bon Dieu prend le couvrir nudité Adam et Ève après le péché des derniers, il y a pas de doute à bête ça pas carité vivant, m'a quoi Dieu t'a coché bête là tout vivant, retirer peau la gueule dans la nature sans peau ce serait quelque part m'a dit anormal, m'a le dit juste là quand je parle de Dieu par respect de sa sainteté, ce serait plus ou moins anormal et étranger à la nature de Dieu pour Dieu t'a posé une action comme ça. Donc nous devons croire que pour les sacrifices là, même informellement, l'été Dieu lorsque l'y prend pour bête pour habiller Adam et Ève après écouter la connaissance du bien et du mal, là nous qu'a considéré comme pour les sacrifices qui fait sous terre. Comment comprendre yon te enseignement yon pasteur enseigné offrande li pa partager nan sens fidèle li pa de bay l'autre l'église fidèle li pa de bay l'autre l'église offrande li pa partager nan sens que fidèle li pa de bay offrande nan l'autre l'église et puis li d'accord sur wa offrande nan men n'importe moun l'église bon etc. Alors, on dit l'église depuis quelque temps perdu toute notion évangélique de pratique ça qui c'est offrande. L'on dit offrande qui sont actes d'adoration et on dit plutôt dans l'église d'après ma seconde. Le mot offrande est trop pur, le mot offrande est trop saint, le mot offrande est trop vertueux pour baptiser ça l'église la fait là de offrande. Da mwen dou yo chaque jour dou ba wa béni mais yo pa m'insister sous sa crise dia avant ba la faut al réconcilier ak moun ki gen compte avou crise bien dit crise pa dit sous son jour gen ak moun crise dit sous son jour gen moun ki gen avou al côté al réconcilier avec offrande encore une fois c'est un acte d'adoration avant moun ba offrande faut que l'agréable à Dieu amen faut l'esprit agréable à Dieu faut col agréable à Dieu faut nommer agréable à Dieu. Elle a dit mon qui a porté offrande by bon Dieu a lui-même faut en communion avec Dieu, lui-même faut Dieu agréer présence lui, faut Dieu agréer vie lui, faut Dieu agréer servir Dieu lui avant même lui offrir Dieu ça la offrir. Car ce ne sont pas nos choses qui intéressent Dieu, ce ne sont pas nos matériels, nos biens qui intéressent Dieu. Dans la Bible nous dit à l'Éternel la terre ce qu'elle renferme. La Bible nous dit c'est à Dieu, c'est Dieu qui met l'eau à l'argent sur la terre. La nature a été créée par Dieu. L'univers a été créé par Dieu. L'univers avec tout ce qu'il a, tout ce qu'il comporte, a son actif comme richesse, comme trésor, comme ressource, etc. Donc si Dieu, tout bagaille, c'est le créé, yo, donc ça n'a pas Dieu, son signe de reconnaissance qu'il est le Dieu créateur, c'est confesser que c'est lui qui est notre Dieu, et dès lors, nous autres, nous devons reconnaître à travers notre vie que ce Dieu prédomine sur nos sentiments, ce Dieu domine, écoutez nos décisions, nos envies, notre volonté, etc. Quand Dieu ne domine pas nos volontés, quand Dieu ne règne pas dans nos cœurs, dans nos âmes, quand Dieu ne règne pas sur nous, quand la parole de Dieu ne fait pas autorité dans notre vie, quand nous ne nous soumettons pas à la volonté de Dieu, à la souveraineté de Dieu, nous pas reconnaître Dieu comme Dieu, et ça nous pas capoter offrande by bon Dieu. Ici, c'est une approche spirituelle. Maintenant, l'approche fraternelle, Jésus-Christ enseigne nous, il faut que nous en communion parfaite avec nos frères et sœurs, faut nous en communion parfaite avec les bien-aimés serviteurs et servantes de Dieu dans l'église et dans n'importe quelle église, faut nous en communion avec nos prochains avant même de vouloir offrir à Dieu quoi que ce soit. Voilà pourquoi, écoutez, il y a urgence et exigence pour l'église là insister sur enseignement Christ là, sous pas d'offrir nous songez qu'on frère on se gagne avant et bien d'abord à le réconcilier avec moun sa ki gen avou la. C'est ce que disent les écritures, c'est ce qu'enseigne la Bible, c'est ce que prêche la parole de Dieu. Donc dès lors, si nous fin comprendre ça offrande là, l'on pasteur pral dou le partager offrande ni, yon fidèle li pa gen droit ba offrande dans l'autre église, ce pasteur quelque part il ignore tout de l'offrande. Ce pasteur quelque part ignore tout de la véritable église de Jésus-Christ. Il ignore tout du principe universel de l'église du corps de Christ. De l'église de Jésus-Christ.
écrit, il ignore tout écouter des vérités spirituelles et éternelles que dégage cette parole du Christ, je bâtirai mon église. Donc son pasteur qui fait l'église parler, il fait religion parler, il fait mission parler, il fait doctrine parler, il gagne l'évangile parler. Mais quelque part ce pasteur est sincère. Parce qu'il dit tout haut ce que les autres pasteurs pensent tout bas. Puis gros problème l'église gagne avec fidèle qui a marché frité. Puis gros problème l'église gagne avec fidèle qui prend l'autre l'église. Il prend l'autre bagage. Et on va le comprendre où maman l'église, pendant qu'on va visiter d'autres assemblées, pasteur a prêché sous dos, ou a marché frité, l'homme en fausse doctrine n'est pas responsable, ou son fidèle rebelle, ou son ou pas en brebis, ou son loup même, son lion et ou même, faut vivre à l'autre fidèle dans l'église là, pendant pasteur a estomaqué, pasteur a mauvais, leader fâché pour l'opate l'otal dans l'autre église là, pendant que y a un monde qui va venir l'église qui est là, caille, y a un monde qui va pas troubler pasteur a, y a pas déranger pasteur a, c'est comme si rester chez soi est un péché moins coupable que visiter une autre église. Tandis que le même pasteur qui est estomaqué, le même pasteur qui est écouté fâché, qui est frustré, qui se met en colère parce que ou tal non l'autre église là, pasteur ça l'a décoré, l'a honoré, l'a apprécié d'autres frères et sœurs des autres assemblées qui viennent à son assemblée ce matin, qui visitent son assemblée. Et c'est là qu'il faut comprendre l'hypocrisie protestante, notamment l'hypocrisie pastorale qui caractérise le protestantisme d'aujourd'hui. Donc le pasteur a dit, il ne peut pas partager offrande, mais bien dit tout, offrande. Aïe, c'est pour lui qui a fait offrande, c'est lui qui a fait offrande là. Offrande là, ça ne fait pas lier, il ne peut pas gagner avec la gloire de Dieu, il ne peut pas gagner avec l'œuvre de Dieu, il ne peut pas gagner avec l'intérêt de Dieu. Merci un peu, les amis auditeurs. Pour question pour là, nous sur Radio Télé Évolution Inter, la 716e édition de votre émission. En plus, amis, plusieurs côtés qui pas arrivé, joindre radio à malheureusement. 3524, allô, bonsoir. 3524, bonsoir. Bonsoir, frère Parouin. Bienvenue. Qui boit côté radio? Bonsoir. Ça fait nous plaisir, mon bonsoir, de venir radio. Non, qui s'en a posé? Un apcouto? Je pense que la parole nous a parlé de. Cantique. La foi de Dieu nous a parlé de qui ça? Lui, vous a parlé de cantique, des cantiques. Moi, je fais recherche là, je cherche des cantiques, des cantiques, en barrel. De Salomon, de Mine Salomon, de Sage Spigin, de Sage Spigin. Ah bien, allez, non. Où j'en somme? Est-ce que j'en somme dans Biboua? Hein? Non. Ou pas un livre somme là? Non. À qui Biboua vous avez? Non, soit dans nouveau, pas bien, ni dans ancien pour aller. Ou pas chercher somme dans ancien. L'on somme, après somme, ou ap proverbe, après proverbe, ou ap cantique des cantiques. Livre cantique des cantiques là, li tout derrière somme à proverbe. Job, somme, proverbe, ou ap ecclésiaste, avant, et ou ap cantique des cantiques. Cantique des cantiques là, l'envant Isaïe. De pour finir, Job, somme, proverbe, ecclésiaste, cantique des cantiques, c'est Isaïe ou ap jouen. Donc, cantique des cantiques entre ecclésiaste, qui après proverbe à somme, et li avant Isaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel, etc. Oui, c'est bon. Qui a fait livre sacré sur là même? Qui a fait cantique des cantiques ou ap chercher? Gardez un bel livre tant que Colossiens rien dans la Bible là, mon cher. On va aller voir ça, c'est un bel frère moi. 37 25 50 25 là tu me prends amis auditeurs. Allô bonsoir. Serviteur bonjour bienvenue. Bonjour bienvenue tout serviteur. Qui boit écouter nous? Marchand de salé. Marchand de salé, ça le marchand branché radio. OK, est-ce que si on monde beaucoup baptisé, est-ce qu'il va pas au fort? Si on nous baptise ou le kaba offrande, une fois le repenti, le converti, gon paquet bagay moun ki poko ka baptise à l'église empêche le fait, bib pa kon sa. Gon paquet bagay nou interdit moun ki poko baptise, par exemple, différence nous fait entre croyant et membre. Son différence moun mri en pile, c'est la mission que fait,
la théologie appuyée, comme si un tel c'est croyant l'église là, un tel c'est membre. Mais un croyant est un membre est un croyant. Il n'y a aucune différence entre croyant et membre. C'est des approches qui purement extra-bibliques, parabibliques et antibibliques. D'ailleurs, celui qui est converti, dès qu'il est converti, il est membre de l'église universelle de Jésus-Christ. Il fait partie du corps de Christ. Il sera enlevé avec l'église véritable de Jésus-Christ dès que sa conversion est authentique, dès que sa repentance est authentique. Des moun nan repenti, bon repenti, converti, bon converti, si Christ paraît même côté, al pral nan nos ulanyo, lap nan sainte scène nan ciel là. Lap nan sainte scène nan ciel là. Voilà pourquoi moi-même, où je dirige des assemblées, où je fais partie du corps ministériel d'une église, l'aime fait partie écouter du collège des anciens d'une église, quitte mon baptisé, quitte n'est pas baptisé, j'ai aucun problème dès qu'il se sent disposé, écouter pour participer même dans la sainte scène. Gros équipe bay nou privé moun ki pou ko baptiser a, gros paquet bay nou privé moun ki pou ko vinn membre l'église, j'ai la mission définie dans structure l'église, dans membership, dans leadership, dans organigramme, dans organisation de l'église, dans discipline ecclésiastique qui étranger à la doctrine de Jésus-Christ, à la Bible. De moun nan repenti, converti tout bon vrai, moun nan c'est membre l'église Christ là. 43 44 bonsoir. 44 43 bonsoir. Bonsoir, serviteur Nakuto. Si Noël pas pour l'église, comment? Noël là? Merci. Où est la chaîne d'espérance? Sont très belles questions. Sont très belles questions. Et on dit la Bible est inspirée de Dieu. L'église est de Dieu, mais les chants d'espérance ne sont pas inspirés de Dieu. Disons mieux, le recueil des chants d'espérance n'est pas inspiré de Dieu. La forte majorité des chants d'espérance ont été composés par des hommes de Dieu hautement spirituels. Majorité chants d'espérance sont sautis en bas plume, sautis dans le cœur, sautis dans l'esprit, dans l'âme, servite à Saint Bon Dieu, qui ont une communion intime avec Dieu et qui ont inspiré de Dieu eux-mêmes. Cependant, on pourra jouer des chants que ont introduit dans le recueil là, et ça me dit le recueil, je ne dis pas l'ensemble des chants, la totalité des chants, même dire que là, je parle au sens général et non au sens total pour dire quoi. Pour dire que on a un paquet de chanter et majorité chanter yo, mais vraiment la forte majorité des chanter, parce que nous autres comme enseignants de la Bible, je crois en l'année 2000, un groupe d'enseignants que j'avais formé, écoutez, on a organisé une retraite et allé au Ghana, nous étions une douzaine d'enseignants, on a passé une semaine à examiner, à scruter, à analyser les chants d'espérance un par un, par devant le message de la Bible. Et nous t'ai révélé en l'espérance là, et au moins une centaine de chants qui ont problème doctrinal, qui ont problème biblique. Ma bon exemple, et nous avons chanté Balthazar, Melchior, etc. C'est des inventions catholiques pendant le Moyen-Âge. Ça n'a pas gagné à voir sa Bible. Dit au pape, je ni Balthazar, ni Gaspard, ni Melchior dans la Bible. Les mages qui étaient venus adorer Jésus-Christ. La Bible pas dit au roi. La Bible pas dit où t'es trois, et la Bible pas dit comment y aurait. Pourtant, des théologiens catholiques sans Bible, des théologiens catholiques en dehors de la Bible, ont carrément pendant le Moyen-Âge fixé leur nombre à trois, les ayant donné comme profession des rois, et puis ils disent y aurait les Gaspard, ils disent y aurait au Gaspard, y aurait les Melchior Balthazar. C'est trois grands mensonges au sujet des mages qui entrent des fois dans le cache d'espérance nous et l'église protestante chante tout, mais bip pas qu'on elle. La fête de Noël n'est pas biblique évangélique, évidemment, serviteur, vous dites bien. Cependant, écoutez, la presse évangélique et haïtienne, sous l'influence d'Adi de plusieurs structures théologiques haïtiennes comme étrangères, Boulos n'a pas ça, pral fait que y a plusieurs chantés quand dans le coche d'espérance n'a pas servi à, qui pas conforme à l'évangile. Y a des chantés nous chantés hors contexte. Ma prenne qui hors contexte, c'est Sérémi Préau. L'église remet adorer Dieu à Sérémi Préau. Sérémi Préau pour chanter d'adoration. Son chanter de confession liée. Son chanter pour un monde qui a pris place dans l'évangile, qui a repenti. Un monde qui a quitté bon Dieu, qui a venu joindre bon Dieu. Excusez. Sérémi Préau par un chant d'adoration
que l'église ka chante n'importe l'heure. Gon kote chante a di m'pa ganyen, m'pa gen ofran pou Jésus ou a mwen, seulement yon cœur tout plein péché. On chrétien pa ka lever dimanche matin, la pa adore Dieu a un cœur tout plein péché. Bon Dieu pa pran adoration ça. Li pa ka mardi l'an cœur tout plein péché toujours, li pa ka jeudi l'an cœur tout plein péché toujours. Son chrétien qui risque à dans l'enfer tête en bas. Donc ça peut être arrivé dans notre vie chrétienne. La Bible dit nous bronchons de toute manière, moi capable broncher, pasteur chada kon broncher, frère chada kon broncher, moi capable chuter, a qui doit arriver même quitter route là, m'abandonner route là et puis m'a pour prendre place moi l'âme aux yeux, sous sac moi sous genou, deux mains en l'air ou bien face contre terre, me dit Seigneur m'a gagné comme offrande beauté ba aujourd'hui a son cœur qui tout plein péché m'a nous faire grâce au nom de Jésus notre avocat. Là il y a aucun problème, je peux chanter ce chant. L'église pas pral valer sainte celle l'église dans cœur tout plein péché. Qui a cœur tout plein péché a côté plus que celui que vous appelez saint, vous aussi soyez dans votre conduite là. Côté donc soyez donc parfait, comme votre Seigneur c'est parfait a. Il y a moun l'église là, deux moun l'église là, cinq moun l'église là qui pour prendre place dans l'évangile. Deux moun qui viennent dans croisade là, trois moun qui arrivé là, cap repenti, cap converti pour la première fois. Deux serviteurs, trois servantes qui t'es bronché, qui t'es chuté, cap saisi que l'esprit de Dieu a restauré dans yo, capable confesser à Dieu, moi pas offrande pour Jésus à moi, seulement un cœur qui plein. Il y a aucun problème. Mais l'église n'est pas devant le trône de la grâce, l'église n'est pas dans cette scène, l'église n'est pas en adoration avec au cœur tout plein péché. On avait réalisé ce travail vers les années 2000, on nous aide dans Seigneur, m'croyait nous t'ai publié, lui même chercher pour nous rééditer. Titre là c'était les chants d'espérance face à la Bible. Les chants d'espérance à la Bible, l'essentiel la forte majorité est conforme. La faute majeure est conforme, mais nous t'ai révélé quand même quelques chants à coucher à parler là au chant Aurelio qui pas conforme à l'évangile Jésus-Christ. Ah, merci un peu les amis auditeurs. 44 34 allô bonsoir. Oui, bonsoir pasteur, comment nous y est? Tout bien, très bien grâce à Dieu. Ah, la tien bien parce que on compte des dans les ça et pas des radio branche chose à là. Mais m'attend depuis à la commencement jusqu'à la fin parce que moi-même travaille à faire. Bon, monsieur, c'est bon, j'ai béni, nous sommes fiers. Amen. L'église n'a pas passé selon la Bible. Parce que nous avons regardé ce qui passe dans Romains 8, verset 1er, qui dit qu'il n'y a donc aucune condamnation. Pour ceux qui sont, c'est pour ceux qui sont, pas de problème, nous ne pouvons pas comprendre. Définis pour moi, parce que ma femme, moi, nous avons une grande place là. Non, dit pour ceux qui sont en Jésus-Christ, monde qui n'a Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est monde qui n'a Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, diable fait salver sous terre, Baka fait salver, démon fait salver, Satan fait salver, loi fait salver, seul moun yo pa ka manye, c'est moun ki nan Christ. Et là encore, Matthieu dit, Jésus dit, si bon Dieu ba autorisation, si bon Dieu ba permission, yo ka manye nou. Merci à mes amis auditeurs. Allô, bonsoir. Oui, serviteur, bon Dieu, ben non, quoi. Même tout frère, pas moi. On met son signe en explication en Matthieu 3, verset 11. Matthieu 3, finalité, 11. La finalité verset 1, c'est ça me déjà pour expliquer là, c'est baptême de feu. Dans Matthieu 3, verset 11, nous sommes dans le récit du baptême de Jésus-Christ par Jean-Baptiste. Dans verset 11 là, et Jean-Baptiste dit, alors, nous allons venir sur Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de laisser ses sandales, les croix de ses sandales, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Dans 1 Corinthiens 12, 1 à 13, nous est baptême cet esprit, c'est travail ça, l'Esprit de Dieu fait dans la vie, nous chaque, et puis connecter nous en Christ, lui fait nous font seul, peu importe notre race, peu importe notre situation sociale, peu importe notre niveau intellectuel, notre rang économique, notre culture, notre civilisation, peu importe la génération à laquelle nous appartenons, peu importe notre profession, nos dimensions intellectuelles, philosophiques, etc. Nous sommes devenus un seul cœur, nous sommes devenus une seule âme en Jésus-Christ, d'où le baptême de cet esprit. Le baptême de feu, la Bible présente ce baptême comme étant l'ensemble des épreuves, l'ensemble des tribulations, l'ensemble des souffrances, l'ensemble des angoisses qui attendent tout chrétien. J'ai bien dit, tout
tous les chrétiens. Quand l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 3:12, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Paul est capable de dire tout ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Mais pour insinuer, pour faire sentir, pour enseigner, quel que soit le monde qui est dans Christ là, il n'est pas capable de persécuter, Paul utilise ici ce que je pourrais appeler un superlatif, un pléonasme forcé, lorsque Paul dit tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ sont persécutés. Dire tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ sont persécutés, ou bien ceux qui veulent vivre pieusement sont persécutés, c'est la même chose. Mais pour Paul Montreux, il n'y a aucun moyen, il n'y a pas aucune issue, pas échappatoire, de pouvoir faire l'évangile, le monde pas tolérer, de pouvoir faire l'évangile, l'État pas tolérer, de pouvoir faire l'évangile, royaume pas capable tolérer, de pouvoir faire l'évangile, les amis de la chair, les amis du péché, les amis de la rébellion contre Dieu, Babylonie la grande, les religions des hommes, yo pas tolérer. Frère Paul dit tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécuté. Merci à les amis auditeurs. Merci pour participer à son émission Causer l'église. On va me continuer avec téléphone, nous t'es allé sur page Facebook là. Frère Mosca C800 moins salio, étudiant ABC, étudiant théologique à Logos Institut dont nous sommes le doyen à Providential. Frère Mosca C800 collaborateur nous qui écrit pour dire et une question son monde qui pose les questions hein. Et est-ce que Bible a parlé de l'âge Marie t'est accouché? Non, la Bible ne précise pas l'âge d'accouchement de Marie. La Bible pas dit qui l'âge Marie était gain elle était accouchée. Merci un peu leur frère Amos. Pasteur Chadrak, s'il vous plaît mon explication sur Matthieu 12 verset 40 frère Kafen Salomon, parce que moi c'est jour vendredi au célébrer la mort et Jésus-Christ. C'est une très belle question. M'espère venir sur les tout de suite 39 44 allô bonsoir. Oui, allô bonsoir. Bonsoir serviteur. OK, bonsoir. Merci frère, je suis quand même fait de radio à Petit Pujet de la Tribonie, je suis bien content de vous, malgré que je ne vais pas attendre vous. Après, ok, question pour moi qui s'allie, c'est sur Armageddon. Est-ce que l'église a pris un anglais ça? Et est-ce qu'il a pris un ça dans le règne de Milan? Non, depuis l'église a enlevé, la Bible a dit tout côté Christ et l'église a plein. Depuis l'église a fini enlevé, c'est pas, attendez, c'est pas au hasard. Écoutez, les mots de la Bible, les mots utilisés dans la Bible ne sont pas utilisés vaguement, ne sont pas utilisés à la légère, ne sont pas utilisés coup-ci, coup-ça. Quand la Bible nous dit l'église est l'épouse de Jésus-Christ, maintenant l'apôtre Paul déclare, il fiance l'église avec Jésus-Christ. Paul dit, prends l'église là, me fiancer la Christ. Mais il viendra le temps où l'église ira à la rencontre de son époux dans les airs et ainsi l'église là toujours avec Christ. Quand la Bible nous donne cette figure, nous présente cette image, l'image, écoutez l'église et Jésus-Christ comme Marie et Madame. C'est pour dire jamais ils ne seront séparés, jamais ils ne seront dissociés, jamais ils ne seront distanciés. Il n'aura aucune distanciation sociale, même avec coronavirus, entre l'église et son Christ, entre son, l'église et son Seigneur, l'église et son bien-aimé, l'église et son chéri, l'église et son âme. Une fois l'église l'a rencontré à Christ dans les airs, l'église enlevée, l'église pape jamais séparé, l'église pape jamais dissocié, l'église pape jamais distancé de Jésus-Christ. Bataille Armageddon, effectivement, l'église sera présente aux côtés de Jésus-Christ, l'église sera avec son Christ, l'église sera avec son bien-aimé. Depuis l'église la finale V dans l'enlèvement là de l'agneau, par un côté Christ l'église papillée, par un côté l'église et Christ papillée, ils seront désormais unis pour toujours. Merci un peu les amis auditeurs participation à l'émission Causer l'église. Verset 40 Matthieu chapitre 12, car de même que Jésus fut 3 jours et 3 nuits, Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Est-ce que qui en l'église fait dit Jésus mourir dans vendredi? Alors disons très bien et serviteur et qui pose des questions. Hein? Effectivement, la Bible pas dit Jésus mourir vendredi. Lorsque nous calculons, c'est avant le sabbat. Dès lors, nous pouvons comprendre, c'était un vendredi, frère Kafensan. Mais attention, les Juifs ne calculent pas leur journée comme nous en Occident.
Si nous avons surtout des journées de 24 heures, pour le juif, la journée compte et 12 heures. D'ailleurs, c'est une raison même qui fait que, écoutez, dans les temps antiques, juif là lui-même, jusqu'à présent, moi, juif, je n'ai pas 31 jours d'accord nous. Juif là, j'ai 27 jours, 28 jours, et ce plusieurs mois. Nous avons février, des fois, 28, 29, mais juif là, généralement, je n'ai pas 4 mois, pas 30 jours. Mais deuxièmement, juif là, depuis l'époque Moïse, il est des temps avant et après, qu'on a des semaines de 5 jours dans le calendrier juif là. C'est-à-dire, les questions de jours, d'années, de mois sont très conventionnelles, sont très relatifs. L'essentiel, juif là, compte les jours du lever au coucher du soleil. C'est-à-dire, matin, la soleil a levé, le langage populaire, pour juif la journée a commencé, dès que le coucher aux environs de 6h, 7h après-midi, journée ça finit. Donc, quand on parle de 3 ou 3 nuits pour Jésus-Christ, considérons, il est mort aux environs de 3h et dans sa notarile et aux environs de 3h, il est mort, écoutez, et à la croix, nous dit si n'a compté, n'a dit bon, OK, on allait vendredi dans 3h, il mourit. Donc il mourit dans jour qu'a précédé jour qu'a commencé à 6h, bon jour qu'a fini à 6h, il mourit la donne. L'el 6h na soir dans vendredi a pour arriver dans 6h du matin, je fais non l'autre jour. 6h pour 6h comme non l'autre jour. Ainsi on va calculer chaque 6h pour 6h yo, après effectivement Christ fait 3 ou 3 nuits dans le sein de la terre. Tant que vous êtes en Occident, tant que vous êtes un occidentaliste, tant que vous êtes écouté de cette civilisation, ou pral gan pile difficulté pour calculer 3 ou 3 nuits sa yo, ou a plus ou elle semble un jour et demi, un nuit et demi. Merci un peu le frère Kafen Salomon qui branche émission sur page Facebook nous 3265-0707. N'ap tout nazan mi auditeur nous yo 3265-0707 37-25-50-25 49-49. Allô, bonsoir. 49-49, allô, bonsoir. Oui, ça va, comment est-ce? Tout bien, très bien, grâce à Dieu. Et moi, je m'étais doué en pile. C'est pas parce que vous dites ça, non, non, ensemble, non, mais c'est parce que moi, vous pensez mieux selon faire la parole de Dieu. Dit. Merci. Donc, moi, j'ai une question en Matthieu 4. Et comment on explique le mot tenté à qui ça le dit? Et Satan, est-ce qu'il s'attend? Et est-ce que Jésus-Christ est tenté? Et le mot tenté à qui ça le dit? Bon, la tentation en soi, sur le plan théologique, c'est une invitation au péché. Donc, vous êtes tenté quand vous êtes invité au péché. Donc, à chaque fois que nous sommes invités au péché, comprenez bien. Écoutez, quand nous sommes invités au péché, quand nous sommes, écoutez, appelés à pécher, à faire quelque chose contre Dieu. Vraiment, dit péché à forme tout préciser. Par l'église protestante, notamment le pentecôtisme qui courait à Baptiste dans Bagay Saoudia là, même Adventiste prenant courant ça, depuis nous dit péché, nous avons adultère, nous avons carence avec mariage, nous avons masturbation, nous avons fornication, nous avons plaçaï, point boule. Donc nous mettons bay menti nous pas dans péché, nous mettons dans volo affaire moun nous pas dans péché, acheter crédit nous pas dans péché, raïm moun nous pas dans péché, hypocrisie nous pas dans péché, l'angesse nous pas dans péché, faire mentir sous moun, parler moun mal. Alors j'ai bien dit parler moun mal. Dire ce qui est mal de Shadak, ce que j'ai fait de mal, ce que je dis de mal, n'est pas écouter le parler mal, c'est une dénonciation. La Bible nous encourage à dénoncer le mal. Alors qui l'ont parler moun mal, il est soit dit, li causer préjudice à moun nan, son bay mal ou dit de moun nan. Par contre ni pied ni tête ni c'est tant d'autant là c'est dit au doulo par contre s'il vrai vrai ou par contre s'il pas vrai ça elle est pas les mal donc ça ou pas péché raissance pas péché fait mal de vie à maman toute la journée pas péché pas utile papa nous rien pas péché ingrave parent nous belle caille nous belle étage nous belle machine nous belle salon belle cabane pas en abdominant rayon pissé pas en abdominant sous vieux nat abdominant vieux coin dans vieux dépôt les la pluie tombe pas abdominant chitira pas un monde prend soin yo à 65 ans, 70 ans, 75 ans, ça ou pas péché, ou non ton père la bagarre de nous, mais nous pas nan péché par une maladie, le thème de la fornication, de la masturbation, c'est ça protestant et les péchés. De vous dire péché dans l'exposé, ça tout pour nous carbone. De vous dire péché pour nous activité gouyadique. Le bout du péché, moi avec activité koyanique, moi activité écouté et fond ma garçon, kaboua sirène, c'est ça protestant et les péchés, et c'est d'un côté le diable séduit l'église protestant en pile, fait au coué, il met volé coué par un péché, volé de l'eau césar par un péché, il met volé à faire moun par un péché, baïmenti par un péché, raïm moun par un péché, égoïste passé qui, yo par un péché, depuis yo par un péché sexuel, yo par un péché. Alors nous disons la tentation, c'est une invitation,
écouter au péché, a dit son attirance vers le péché. Attirance qui a sorti du monde, le monde qui est entouré, qui a sorti du diable ou des esprits méchants du monde, qui a sorti du vieil homme qui nous habite encore. Le sang de Christ a réduit le vieil homme, la nature adamique à l'impuissance, mais cette nature est encore là et elle peut prendre vie. Et ça, Paul dit, fait mourir même qui n'a connu, même Chanel, fait mourir, il dit qui ça. Pas bah au tété, que des films ou fin gardé, que des feuilles ton fin gardé, que des bagages ou fin li, des bagages ou fin ouais, c'est la chose bah tété et au pas capable de pécher. De même que le manger produit le tata, le boire produit le pipi, eh ben y a aucun problème. Gen bagages alimenter l'esprit ou pas capable accoucher malpropreté, ou pas capable accoucher impudicité, ou pas capable accoucher immoralité. Le grand Voltaire, François-Marie Arouet, philosophe français. 18e siècle, monsieur écrit pour dire oreilles, nous c'est route que nous. M'ajoute là dans les yeux tout. Les yeux et les oreilles sont les routes du cœur. Donc l'esprit au cœur, nan mou, baga wap tande, baga wap gade, y alimenté, y a dans subconscient, à un certain moment, de pouvoir remplir avec la chair, de pouvoir remplir avec séduction, de pouvoir remplir avec convoitise, ou à recevoir invitation au péché. Donc la tentation est une invitation au péché. Maintenant, le fait d'être tenté ne veut pas dire, écoutez, tomber dans le péché. Le fait d'être tenté, maintenant, c'est qui attitude. Est-ce qu'on résiste? Par exemple, vous allez à l'église, là, une jeune fille rentre et vous sentez tout le monde marcher. Ou on péché jusqu'à présent, non? Ou quand dans l'église, là, un garçon passe là, tout le monde sent tout marcher. Ou quand dans la ria, un monde qui tombe à terre, ou envie de prendre lit. Ou quand dans une situation où est pour défendre tout la son menti pour bail, ou pour jamais pécher. C'est une invitation au péché, donc c'est une tentation. Du latin tentation, c'est une invitation au péché. Maintenant, est-ce qu'on a résisté? De pouvoir résister sur la bonne voie, par le diable, une séduction, la prochaine jeune garçon, jeune femme dans l'église, monsieur, madame, marié, de moun nan wè envie en rite nan li, moun nan wè envie fait bagay la, l'envie dit bagay la, moun nan kouè le péché, puis il cède, non beaucoup péché. Même si vous sentez la marche tout en vous même, même si vous sentez l'esprit concentré sur ça, et sur time et sur table, de pouvoir pas d'accord, tout en pas d'accord, vous cherchez grâce, bon Dieu, ou à résister des textes bibliques, ou à intercéder, ou à prier, ou à prendre bon Dieu grâce, ou à prendre de prier, etc. C'est encore une invitation au péché, ce n'est pas un péché. L'invitation, c'est la tentation. Maintenant, c'est l'ombre à d'accord invitation. Pour rien, n'a pas même fait bagarre là, mon nourril. Ou pas fait bagarre là, mon chercher, c'est je ne pas venir. Laisse ça au péché, c'est l'acceptation de l'invitation qui péché a, même si vous pas fait bagarre là, de pouvoir accepter l'invitation, hein? Laisse ça au péché. Merci un peu, les amis. Auditeur, participation d'émission Cause l'Église. 4200, allô, bonsoir. Bonsoir, serviteur. La prenons des ministères. Nous saluons tout le monde parmi nous, Lester. Oui, parce que moi, toujours mon cher Michel, je toujours félicite, je toujours bénisse mon bon Dieu. Merci. Merci, gloire au bon Dieu. C'est là, parce que ma source, après ma vie, j'ai accouché Jésus, est-ce qu'il y a une possibilité pour de toujours être vierge? Absolument non. Quand la théologie catholique enseigne la virginité perpétuelle de Marie, mon bel approche me fait concerner dans le livre moyen qui c'est les vérités mensongères du catholicisme, dans le chapitre qui parle de la mariologie, la doctrine mariale dans le catholicisme, m'aborder question ça dans paramètre la virginité perpétuelle de Marie. C'est ce qu'en sait en tous les cas la théologie catholique, Marie est vierge d'une virginité perpétuelle, comme quoi avant le fait Jésus le vierge, lui fait Jésus le vierge, lui fin fait Jésus tout vierge. C'est faux et archi faux. Marie, écoutez, a été vierge, bien sûr, conforme avec la prophétie de Michée, la prophétie d'Isaïe. Marie est vierge d'une virginité relative, d'une virginité temporelle, l'aime dit temporelle, c'est-à-dire qui se limite dans le temps jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. Marie, écoutez, pas qu'à vierge après Jésus-Christ sur le plan scientifique, li pas qu'à vierge après Jésus-Christ non plus sur le plan évangélique. Sur le plan scientifique, soit en clair. Marie fin fait Jésus-Christ, qui ça font femme vierge. La virginité n'a pas une définition sexuelle. Et là, il faut être clair. Sur le plan moral, on peut toujours parler d'une certaine virginité sexuelle, mais la virginité en soi se révèle du domaine physiologique ou biologique. On est vierge quand on possède encore l'hymen. L'HYMEN. Selon le dictionnaire médical Larousse, que nous avons au logo
force biotécaire. C'est l'hymen, la présence de l'hymen qui explique et justifie la virginité. Elle dit, tu vois la femme dans le chouchou, dans le boubou, c'est tu vois ça, tu cherches ça, tout autant la femme dans le vierge. De telle sorte que, sur le plan biologique, médical, physiologique, on femme qui doit flirter, on femme qui doit faire sexe, il y a quelqu'un qui dit femme n'a fait sexe des fois, c'est tout ce petit coup l'autre là-bas grand, et c'est la donnée, ça qu'on dit les femmes n'a pas fin perdu, ou bien le pape dit, son bail grave son nez pour arrêter sur les articles du code pénal qui pour prendre prison à vie, etc. Il y a quelqu'un qui croit écouter ça qu'on rive. De toutes les façons, tant que l'hymen existe, la virginité est là. Tant que l'hymen a disparu, qui te femme n'était dans sexe, qui dit pas dans sexe, on dit femme n'a formé vous chirer, on vient toilette, on va contre salier. Écoutez, dès que l'hymen a disparu, il y a plus de virginité. C'est la définition même médicalement de la question de la virginité. Donc, une fois Marie poussé Jésus-Christ, Marie pas fait césarienne. Les preuves historiques et les preuves théologiques que nous disposons de écouter de l'accouchement de Bethléem, de l'accouchement historique, de l'accouchement exceptionnel de Bethléem, il n'y a pas de doute, Marie pas fait césarienne. Donc, dès que Marie s'est poussée, le poussé Jésus-Christ, l'Ipaka toujours vierge parce que l'hymen n'existe plus. Il faudrait à la théologie catholique de prouver que Marie était fait césarienne pour parler scientifiquement de la virginité perpétuelle de Marie. Question ça me détaille, il me dit dans le dernier livre m'écria qui c'est les vérités mensongères du catholicisme. Mais deuxièmement, sur le plan théologique, biblique, évangélique, les anges finissent par la main à Joseph. Pour dire Joseph, Marie enceinte, oui, mais pas inquiète, c'est pas tromper le trompeau, et pour l'autre, n'est pas un pain bêche lié. C'est une femme exceptionnelle, c'est une femme modèle, c'est une femme exemplaire, c'est une servante de Dieu incomparable, je dirais même. Et me toujours aller plusieurs exemples pour témoigner. Même dans les vérités mensongères catholicisme là, moi pour un bon temps m'expliquer la grandeur d'âme, m'expliquer la spiritualité, m'expliquer la vie chrétienne exceptionnelle de Marie, car quelque part, quand j'enseigne contre la vie, je dis de Marie, j'évite toujours d'être semblable aux protestants qui méprisent Marie, aux protestants qui dévalorisent Marie, aux protestants tête borchette, écoutez, qui dénature Marie. Marie certainement n'est pas déesse, n'est pas Dieu, comme le concile catholique d'Éphèse en 431 proclamé là, ça dans le livre là toujours. Marie certainement ne partage pas la royauté universelle, j'ai le pape Pie XII au 20e siècle proclamé là, il n'y a pas de doute. Marie non plus, écoutez, n'est pas monté au ciel de son vivant, j'ai la doctrine de l'Assomption de Marie établie là. Ce sont des enseignements. Marie n'est non plus immaculée conception, comme quoi sans péché, il n'y a pas de doute là-dessus. Toute la théologie mariale, toute la mariologie catholique telle qu'elle est enseignée par le Vatican, par le concile, les conciles catholiques, par le code de droit catholique, par le grand catéchisme de l'Église catholique, toute la théologie mariale est effondrée devant le tribunal de la Bible. Cependant, nous dit dimension spirituelle Marie, c'est des dimensions à enseigner dans toutes les églises du monde entier. Et malheureusement, si le catholicisme a déifié Marie, le protestantisme l'a satanisé, l'a diabolisé. Le fait de ne pas vouloir reconnaître la Marie catholique, l'église protestante va rejeter même Marie dans la Bible. Première considération. Une jeune fille à qui l'ange annonce que le bras en pleine ceinture par l'œuvre du Saint-Esprit, jeune fille en côté le campé ya, li poko konnen qui sa mari, le futur mari, le fiancé le pral pense, li poko konnen qui sa pral passé avec cette histoire là, comment femme le pral ouel, baka cet esprit sa jodi à nous, li nous tout kouel nou el nan bib, nou kouel nan bon Dieu, bib pot ko écrit, pas de gon ka kon sa avant. Donc parole sa, qui moun ki pral kouel mari avec, ou jeune femme, ou son jeune femme ou formé de yon gen regou, koun yon avant ou ap monto, gen fiancé ou gen menayou, tout moun konon gen menajou, ou a vin raconte moun, ou ite gonzan ki vin goto, ki tout cet esprit pral couvre, comme quoi et comme d'adou l'esprit de dik grosou. Pas qu'il y a un monde qui va me s'en mari. Côté mari campé d'après la loi de Moïse, automatiquement votre mari a monté et que Joseph manque Dieu par lui-même qui grosse mari et par lui-même quand cette mari, même côté à la pire de mari. C'est dans cette situation émotionnelle, cette situation tragique que se trouve la servante de Dieu. Après avoir entendu le message, après avoir reçu l'annonciation, après avoir été averti divinement par Dieu, Marie, malgré tous les risques, une question de vie et de mort, les risques de la lapidation, malgré tous les risques, Joseph fiancé
appelé pour quitter lui. Zan la pour parler à Joseph, Dieu pour Joseph en rien. Pas gagne dit Joseph a couru tout bon Dieu parler avec. Joseph doit courir en bateau des ans et ça tout, dans dormir et cetera. Malgré tout risque ça yo, Marie fin tant des paroles là, elle ne se pose pas de questions, elle ne réfléchit pas, elle ne se demande pas qu'est-ce que ses parents vont penser. Elle ne demande pas que diront les parents de Joseph, quelle sera la réaction de son fiancé. Il va me dire qui ça Marie il y a là. Il va me dire comment société va l'ouel, comment les autorités ecclésiastiques religieuses va l'ouel. Marie seulement fin tant des messages là, elle dit qu'il me soit fait selon la servante volonté du Seigneur, car je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon la volonté de Dieu, car je suis la servante du Seigneur. Quelle grandeur d'âme, quelle spiritualité, quelle piété, quelle communion avec Dieu, quelle transcendance divine, quelle manifestation théophanique, quelle servante de Dieu. Deuxièmement, Bible a dit, Elisabeth pral la caille Marie, laisse Elisabeth qui est enceinte de Baptiste, cousine de Marie. Marie a la caille Elisabeth alors. Marie est allée chez Elisabeth, la caille Zacharie. Marie saluait Elisabeth de loin, la salutation. Elisabeth seulement tendait voix Marie. Le simple fait d'entendre la voix de Marie, l'unique fait d'entendre la voix de Marie, Elisabeth, l'épouse de Zacharie, est remplie du Saint-Esprit et l'enfant qu'elle portait a tressaillé de joie. Jean-Baptiste qui tendait voix, maman Jésus, seulement tendait voix côté de votre mari devant Elisabeth là, Jean-Baptiste tressaillé de joie et Elisabeth, la maman de Jean-Baptiste, la cousine écoutée de Marie, quelque part la tante de Jésus. Cri, Elisabeth est remplie de joie, le simple fait d'entendre la voix de Marie. D'après aussi, tout pain bêche dans votre histoire, dans le dévoilement de l'esprit. Et tout d'abri, ce n'est diaconesse, son mari qui fait chaque jour, même les prophétesses de Dieu, ou pas qu'à des voix. Quelque part, Marie n'est pas pleine de grâce comme le croient les catholiques, mais Marie est investie richement, est investie, écoutée abondamment de la grâce de Dieu. C'est une servante exceptionnelle. Troisièmement, dans cantique Marie a inspiré cet esprit. Il dit, toutes les générations me diront les bienheureuses. Toutes les générations me diront bienheureuses. Maintenant, fort de ces trois illustrations, fort de ces trois exemples, fort de ces trois considérations, Marie est une servante de Dieu exemplaire, modèle, référentiel, qu'on doit enseigner dans toutes les églises. C'est une jeune fille à camper, à dresser, à élever comme modèle, comme échantillon, comme prototype, pour que toutes les jeunes filles dans l'église qui a grandi imiter. Mais que fait le protestantisme? Parce que catholique dans vénération à ben Maria trop loin, parce que catholique fait excès dans Jean au prend Maria, le protestantisme honore toute femme dans la Bible. Le protestantisme valorise toute femme dans la Bible. Le protestantisme apprécie toute femme dans la Bible, prêcher, enseigner toute femme dans la Bible sauf Marie. Et ça dit, si le catholicisme l'a déifié, le protestantisme l'a satanisé, l'a diabolisé, tellement vrai, dans nos écoles du dimanche, nous avons la classe Rebecca, où est la classe Marie? Nous avons la classe Sarah, où est la classe Marie, la mère de Jésus? Nous avons la classe, écoutez, Esther, où est la classe Marie à l'école du dimanche? Il n'y a pas de classe Marie. Les prédicateurs, pasteurs, évangélistes protestants, docteurs, prêcheurs, à penser, les après exemple, jeunes filles courageuses, jeunes filles modèles pieuses dans la Bible, jeunes filles vertueuses, nous râler Saraï, nous râler Rebecca, nous râler Esther, nous râler Déborah, nous râler Ruth, nous râler Anne, la, nous râler, comment elle s'appelle encore, nous râler Phoebe, nous râler Dorca, nous râler Priscille, nous râler, écoutez, Vodi, nous râler Saint-Tiche, nous râler toute femme qu'on a, nous râler Ruth, nous allons Naomi, nous allons Myriam, la sœur de Moïse, mais jamais ne pas aller Marie. Nous méprisons Marie parce que nous estimons catholique bal plus valeur. Or, la meilleure façon de corriger, ce n'est pas de critiquer, c'est de mieux agir. Si la Marie catholique est une Marie écoutée, déifiée, elle est extra-biblique, il y a plus loin que la Bible, laisse à nous autres, nous allons prendre la vraie Marie, la Marie biblique, évangélique, apostolique, pour l'honorer dans les dimensions de sa grandeur spirituelle, dans les dimensions de sa maturité évangélique. Le catholicisme l'a déifié, le protestantisme l'a satanisé. Ainsi, Marie est doublement victime. La Marie dit, toutes les générations me diront bienheureuses. Mais Marie t'est oubliée, dit, sauf les générations protestantes, sauf les congrégations protestantes, sauf les assemblées protestantes. Ainsi, sommes-nous devenus tellement religieux
que nous sommes aveuglés, même par ce qui est scripturaire, par ce qui est biblique. C'est pas catholique qui décide, il y a dit Marie bienheureuse, et pas catholique qui décide, il y a parlé de Marie. C'est pas catholique qui décide, il y a honoré, il y a valorisé Marie. La Bible nous présente Marie comme une jeune fille modèle, une jeune fille exceptionnelle, une jeune fille extraordinaire. Moi-même, mon prédicateur protestant, son ami m'a cité non là, évangéliste Émile Bernard Fontamara, c'est collaborateur. Nous fait des années à travailler ensemble dans le ministère. Je vois saisir qu'à prêcher nos croisades de Fontamara. Je me dis oui, quand tu proposes Marie t'es vierge. Moi, je suis un haine protestant. Ce que je pourrais appeler une certaine Marie-phobie. Les protestants ont détesté Marie parce que catholique en Brésil. Mais c'est Bible qui présentait Marie Jean-Lier. Catholique là, elle est trop loin, c'est vrai. Mais ceci ne justifie pas cela. Ceci n'explique pas que cela. Et parce que Marie, catholique est trop loin à Marie, nous pouvons prendre un lit pour nous voir dans la fatra, nous voir dans la poubelle, nous voir dans la latrine. Nous faisons preuve de pauvreté spirituelle. Amen. Nous faisons preuve d'ignorance spirituelle. Amen. Nous faisons preuve d'extrême spirituel, de terrorisme spirituel. Nous faisons preuve de bégouessité spirituelle lorsque, parce que le catholicisme l'honore tellement, nous autres nous refusons totalement de l'honorer. Quelle ignorance, quelle bêtise, quelle sottise. Et jusqu'à quand le protestantisme aura des leaders si médiocres, des leaders si ignorants, des leaders si, je dirais même, écoutez, tata, jusqu'à quand? Nous parlons dans la Bible, Marie dit, qu'il me soit fait selon la volonté du Seigneur, je suis la servante de Dieu. Nous parlons dans la Bible, les Marie saluent Elisabeth, elle est remplie de l'esprit, et l'enfant dans le ventre, dans le sein d'Elisabeth, tressaille de joie. Nous parlons, les paroles l'a dit, toutes les générations me diront bienheureuses. Nous parlons ça. Donc, quelque part, le protestantisme, nous, et Evangeliste Émile a prêché, il s'est dit, quand la propose, Marie t'es vierge, Marie ceci, Marie a son pitain de Marie a son bousin, Evangeliste Larry. Marie, son pitain, il était comme tout le diable gouillant par Joseph. Evangeliste Émile Bernard. Evangeliste protestant, qui a prêché nos croisades Fontamara, et ton proche collaborateur. Moi, campé, dit non, mais le hasard, dans mes temps, mais ça là. Et ma avance, c'est me quoi, me corriger. M'corrigil. Et parce que catholique diabolise, catholique déifiel pour diaboliser. Gon haine de Marie. C'est comme le mot saint. L'on lit en Corinthiens 1 verset 1 à 3. Bible a dit tout le monde qui a servi mon Dieu, c'est saint. Tout le monde qui a servi mon Dieu, c'est saint. Mais comme catholique servi à mot saint tout pas répété dans l'église. Je m'a parlé de l'église. M'a dit Saint Gabriel, on frère Gabriel comme ça. Il va qu'on Saint Natacha, m'a dit Saint Natacha. Nous va donner Saint Natacha non solo. Nous va donner Saint Pierre, Saint André, Saint Chadrac, Saint Davidson, Saint Jocelyn, nous va donner Saint écoutez Rolex, nos messages, la parole de Dieu. Pas de Saint Valo, Saint Sama, vous comprenez, Saint Pierre-Antoine, Saint Xavier, Saint Daniel Augustin. Le mot saint s'attribue à tout chrétien. Même on dit frère tel, sœur une telle là, nous qu'a dit saint tel, saint une telle. Même lorsque vie mon n'était capable fin droite tête, oui, pas gain saint de position, le fait que nous sommes en Christ, nous sommes des saints, gain saint cougna de profession qui ces gens mon n'a marché dans vie chrétienne chaque jour. Mais comme le catholicisme utilise malement le mot saint, eh ben nous tout voyons mot saint en jeté, nous tout passer à l'aile du tout. C'est ce qui arrive désormais à cause de notre pauvreté spirituelle. Donc si Marie est honoré d'une manière excessive dans le catholicisme, cela ne veut pas dire pour autant il ne faut pas qu'elle soit honorée du tout dans le protestantisme. Il faut l'honorer à sa juste valeur, il faut la vénérer, il faut l'apprécier et faire d'elle une modèle, faire d'elle une référence, faire d'elle l'exemple des jeunes filles chrétiennes qui ont grandi dans l'évangile. Merci un peu pour participer à son émission Cause et l'Église. Une très belle question qui nous permet d'élargir, écouter à propos de Marie, d'éviter les extrêmes, et extrêmes catholiques, le calcoloé, et extrêmes protestants qui méprisaient Marie. Chapitre, ça me détaille net dans le livre, c'est tout un chapitre dans le livre, Les vérités mensongères du catholicisme, là, dont je suis l'auteur, livre de près de 200 pages. 41-47, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. N'a pas tous amis auditeurs, faut-il aller plus fort? Moi,
moi j'ai une question que m'a posée, mm-hmm. pas besoin vous élaborer moi s'il vous plaît. Mm-hmm. Oui, c'est position l'église là face avec et les grandes tribulations et la noce de l'agneau. Mm-hmm. Ça veut dire puisque aussi l'église n'a pas participé à la grande tribulation. Mm-hmm. L'église pendant la grande l'église pas qu'à la noce de l'agneau pour la grande tribulation en même temps. Car quand nous analysons les récits apocalyptiques de la Bible, nous avons pu comprendre que la grande tribulation aura lieu sur terre pendant que les noces de l'agneau auront lieu dans le ciel. Alors c'est simultanément qu'il y aura les noces de l'agneau dans le ciel, dans la présence de Dieu, là où Dieu a sa demeure, et en même temps il y aura la grande tribulation sur terre. Et comme c'est l'église qui est l'épouse, nous voyons difficilement, et pas difficilement, d'une manière impossible, comment est-ce que l'église pourrait être à la grande tribulation lorsque c'est lui qui a marié dans les noces de l'agneau. Bien sûr, les églises des missions, les églises de l'État, les églises des religions, les églises baptistes, que Dieu dit ça, elles seront sur terre certainement, sur les églises qui pratiquent des doctrines, des principes d'homme et non la parole de Dieu. Quand nous parlons de l'église, nous autres, moi toujours dis nous ça. Et pas chamblier tout dis nous ça. Et pas chambl suspend dis nous ça. Encore et toujours, bon seule façon de faire l'évangile, c'est pratiquer sa Bible dit. Lundi l'église après l'ordre de l'agneau n'a pas de moun jodia, moun aye et moun demain si Dieu veut, cap mettez de côté tout ça les hommes dit. Pour pratiquer sa Bible dit. Gon seule façon pour faire l'évangile, c'est pratiquer sa Bible dit. Son blessing d'ensemble jodi a pour te pote barou la 716e édition de l'émission Causer l'Église. N'a pas ensemble, demain si Dieu veut, nous l'espérons pour la 717e édition de votre émission. Soyez bénis, soyez instruits, soyez nourris en Jésus-Christ par la grâce de Dieu pour sa gloire. Faut que l'Église là, l'Église, que Dieu vous bénisse. Si mes mauvais graines dans mes temps nous grandis, on les n'a pied, bon Dieu. Bonjour, nous va votre Sa yo se pou de jou yo eksiste. Mè chè.
faze mal balan Ki rayi ministèm Kam propose yo se vrem Yo pap jam kon se krem Paske mbote mbote nan kem Se li kon tout avem Men li mwen jen potem Nan adorasyon sa Nan louange sa Kon rochek pral bay glo Pa ki se
Dans la communauté des radios de ces jours-ci, les choix sont à la fois multiples et divers. Et sur la bande FM ou en Sub Carrier, on comprend combien votre choix peut être embarrassant. Mais dans la foulée des options et des choix possibles, les bons sont très rares. Il est vrai, trop difficile à faire. Dans ce doute, ne vous abstenez surtout pas. Soyez intelligent. Faites le choix le plus intelligent. Nous sommes ceux qui relient votre réveil à votre sommeil. Ceux qui allument et colorent vos nuits les plus difficiles. Nous sommes la procédure qui va des dinosaures aux voitures électriques. De l'antiquité ou du lambi qui devait rassembler les esclaves jusqu'à 1804, au vidéophone d'aujourd'hui qui nous connecte au monde entier à la seconde. Nous sommes le pourquoi la science existe. Nous sommes carrières, nous sommes la première. Sur les dernières technologies de l'information, nous sommes la dernière. www.radiotvévolution.com. Nous sommes Radio Évolution Inter. Votre choix intelligent.